L'Institut supérieur de management a organisé le samedi dernier sa sortie de promotion de nouveaux diplômés qui attendent d'être intégrés dans le secteur public et privé. Plusieurs personnalités ont assisté à cette cérémonie. Pour plus de détails, suivons les explications du président directeur général de l'ISM et de Moustapha Niass au micro de Ney Aram Touré et Babacar Ndiaye. Différent à ce qui se passe, la crise de l'école sénégalaise est une crise qui nous interpelle tous. C'est en ce sens que nous avons créé ces établissements. Aujourd'hui, nous sommes une part importante, significative du dispositif à côté de l'Université de Dakar qui depuis des décennies et des décennies a formé les principaux cadres de notre pays et des cadres africains. À côté de l'Université de Saint-Louis qui a produit aujourd'hui des cadres qui sont en activité un peu partout dans le monde. Nous devons opérer ensemble mais à une condition. La condition c'est plus d'ouverture. L'Université de Dakar, les universités doivent s'ouvrir au monde de l'entreprise. Nous avons besoin d'échanger avec ces universités. Nous pensons qu'on peut nous apporter mutuellement beaucoup de choses. École bi ñu wax ISM bi Amadou Diaw doomu Mamay Diaw sama xarit Rehimou Lay setsima and ak ay natangom étudiant ñu nek ay ndaw ñu na bok ñi leen di dimbalé pour ñu démarrer ñaar fukki nit lañu won général Jean Alfred Diallo Pierre Kama Bekay Sen Mahmoud Si Phosphate de Taiba ñop mëna leen cité ñu dimbalé ñu taxawal école bi ngir Yalla téyal rek tax bon buñu gisé li tay dañuy sante Yalla ndax ñom ñoo ñewoon té bañu koy def rien n'était évident ñom ñoo gor gorlu am fayda